Allez, les joueurs qui sont prêts ou presque, les tribunes bien garnies. On attend tous avec impatience le début de ce match, le match dont tout le monde parle depuis pas mal de temps. Salut à tous, ces images du Groupama Stadium sous la pluie pour nous retrouver en direct de Lyon aujourd'hui. Un match que vous allez vivre avec nous, Hervé Matou et Pierre Ménès. On va s'intéresser à la Ligue 1 Uber Eats avec cette rencontre. L'Olympique Lyonnais face à Dijon. Un match dont les supporters parlent beaucoup entre eux, tu t'en doutes. Je crois qu'ils signeraient tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout pourri. Mais nous, on attend surtout un bon match. Moussa Dembélé. Moussa Mawar. Les Lyonnais qui essayent de porter le danger. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Perdu bêtement. Non, ça ne passe pas. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. Oui, il est en pleine forme dans ce championnat. Son compteur personnel de but tourne à plein régime. Il est très, très, très efficace. Moussa Dembélé. Et le premier but de la partie. L'ouverture du score. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Signalé hors jeu, il aurait dû attendre pour faire son appel. Ah non, il rentre le ballon à l'adversaire là. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Alors, le centre peut-être dans l'axe. Ah, il dégage ce ballon. Encore quelques minutes à tenir dans cette rencontre avant que l'arbitre ne siffle à la fin du match. Tout compris là, le défenseur, bien vu. Koulibaly. Ouais, mal assuré, ça file en touche. Lucas Paqueta. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Oussem Aouar. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Alors, attention, la bonne récupération, il va y avoir danger. Allez, le but après un énorme travail, un gros boulot de récupération. Ouais, c'est mérité, ils n'ont pas arrêté de faire pression sur le porteur. Et au final, ça leur a permis de récupérer un excellent ballon. Il perd de la balle. Ils ne touchent pas assez le ballon à leur goût, les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Mais ça veut dire aussi que cette équipe est la plus solide des deux quand elle n'a pas le ballon. En tout cas, elle mène. Attention, le danger. Elle travaille bien son ballon et il marque en finesse. Ah, ce match qui vire à la démonstration dans cette première période. Ouais, excellente interception, bien joué. C'est à voir. L'Olympique Lyonnais qui progresse dans le camp adverse. Sous la pression de l'adversaire. Alors, comme vous pouvez le constater, il pleut. Attention aux prises de balles pour les gardiens. Il faudra peut-être jouer la sécurité, notamment sur les frappes de loin. Un centre, ouais, contré par le défenseur. Lucas Paqueta. Oussem Aouar. Le coup de sifflet, la mi-temps.
Après le passage au vestiaire, c'est reparti pour 45 minutes. Ouais, 45 minutes avec du spectacle, ce serait cool, non? Ouais, Dijon qui profite de l'avantage. Allez, touche pour l'Olympique Lyonnais. Ouais, bien sûr qu'il y a faute. Koulibaly. Jordan Marié. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Lucas Paqueta. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. De paille. Lucas Paqueta. Et il dégage. Lucas Paqueta. Moussa Dembélé. C'est une grosse frappe, hein. Une grosse frappe, mais de peu à côté du cadre. Elle méritait mieux, peut-être. On a atteint l'heure de jeu. Les Lyonnais qui essayent de porter le danger. Oh, le ballon qui est donné en profondeur. C'est déjà la troisième fois qu'ils trouvent le chemin défilé aujourd'hui. 4 à 0, rencontre à sens unique. Il intercepte. Vous voulez travailler au stade des jours de match? C'est possible. Oussem Aouar. Eh non, ça n'ira pas plus loin, c'est bien défendu. Ah, il récupère les vertus du pressing. Ah non, le ballon est perdu. Et la touche. Attendez, il y a eu un but, il y a eu un but, on va tout de suite savoir ce qui se passe et où. Oui, deuxième but à l'instant en faveur du Paris Saint-Germain. Donc deux buts à rien pour l'instant, alors que le match a débuté il y a 68 minutes exactement. Merci, c'était complet, c'était précis. De paille. Il perd la balle. Lucas Paqueta. Fils de paille. Oussem Aouar. Ouais, la meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison. Lucas Paqueta. Ballon rendu à l'adversaire. En remise en jeu de la touche pour Lyon. Alors sur le banc de touche, on a estimé qu'il fallait changer quelque chose. Allez, ça peut peut-être donner quelque chose. Oui, attention. Oh, il y est. Plus de suspense à l'approche de la fin du match, hein, la décision est faite. Comme on pouvait s'y attendre, Pierre, le favori n'a pas déçu. Oui, ils étaient attendus pour ce match et le score est tout à fait logique. 7 minutes, hein, il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. 5-0 ici, match quasiment plié. Vous savez quel sera le prochain adversaire de cette équipe, Pierre? Les Lyonnais doivent affronter l'OGC Nice ensuite. Beaucoup d'applications chez les joueurs qui ont su faire la différence pour l'instant. C'est une belle victoire qui se profile. Tir. Elle est contrée cette frappe. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Moussa Dembélé. Oh, le bon ballon. Oh, que c'est bien défendu. Il y avait grand danger. Allez, voilà le dernier coup de sifflet qui les consacre officiellement nouveau champion.